Aux morts! Au nom de Monsieur le maire, je vous remercie de votre présence. Les élèves de classe 3 de Madame Valvandrin vont maintenant interpréter la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant élevé. L'étendard semblant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras égorger vos fils et vos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons. Cette journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, je vais vous délivrer le message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales, humaines, qui se sont installés pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils. Des fratries qui n'ont pas retrouvé leurs pères. Des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts,
sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des cinq continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Hommage aux morts, Monsieur le Président des anciens combattants, Monsieur le Commandant de la Brigade Armerie Bois-Plage, Monsieur le Maire, je vous invite à déposer votre gerbe au pied du monument aux morts et à vous rejoindre votre place. De silence. Repos.